Le territoire de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse bénéficie d'un tissu social et associatif riche et très diversifié. En témoignent les activités poursuivies par les structures de l'économie sociale et solidaire qui apportent, chacune à leur façon, des réponses aux besoins des citoyens. Des associations qui participent activement au vivre ensemble et contribuent au développement social et économique de notre territoire. À ce titre, et en vertu des compétences exercées par l'intercommunalité, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse accompagne la mise en œuvre de projets au service de l'intérêt public, et ce, par le biais de subventions qui leur sont attribuées chaque année concernant de multiples thématiques. L'action économique, sur une aide aux projets relatifs à l'attractivité des savoir-faire industriels du pôle Arôme Senteur Saveur, mais également sur des questions d'accompagnement au démarrage de nouveaux projets, ou encore d'accès au réseau de professionnels visant la transmission de leur expérience entrepreneuriale et incitant à la création d'activités et d'entreprises. Les sports, et plus particulièrement la formation des jeunes pour les initier à la pratique d'une activité physique, mais surtout pour les familiariser aux valeurs véhiculées par le sport, véritable école de la vie. Le tourisme, en consacrant un accueil, une promotion et une coordination des acteurs touristiques de première catégorie, qui met en lumière les atouts faisant du Pays de Grasse une destination unique et incontournable. L'emploi et l'insertion, en soutenant des actions destinées à ne laisser personne à l'écart, parce que chacun d'entre nous mérite d'être aidé et accompagné, que ce soit à certains moments clés de la vie ou pour faire face à une recherche d'emploi compliquée. Le développement numérique, au travers d'actions d'inclusion permettant à chacun d'accéder à des ressources numériques tout en bénéficiant d'un accompagnement pour monter en compétences sur les nouvelles technologies. Les déplacements, en participant aux actions qui favorisent et encouragent les modes de transport alternatifs et en particulier le vélo. L'habitat, pour offrir une aide aux missions de proximité d'information et de conseil juridique auprès des particuliers, afin que les acteurs institutionnels puissent formuler des réponses adaptées aux problématiques de logement. Les solidarités aux personnes et au territoire, par une contribution aux projets favorisant la cohésion territoriale, ainsi que ceux qui préviennent de situations personnelles délicates. L'environnement et le développement durable, sur des problématiques qui contribuent à concilier au mieux le développement du territoire, tout en se souciant de la préservation de notre bien commun, la nature. La culture, par la promotion d'une programmation artistique et culturelle, participant à l'attractivité du territoire et faisant le développement de la sensibilité, de la créativité et de l'esprit critique, vecteur d'émancipation et d'épanouissement des individus. Toutes ces interventions contribuent à faire de vous tous des acteurs engagés, agissant au service de l'intérêt général. Le tissu associatif est garant du lien social. Participer collectivement à un projet, faire découvrir des savoirs, éduquer, créer, grandir, transmettre, mais aussi perpétuer des gestes ou apprendre tout simplement des règles et des comportements, voilà ce que nos associations nous apportent et continuent de nous inculquer au quotidien.